quelques années déjà. Et notre maison avait à cœur de soutenir de façon beaucoup plus construite, beaucoup plus professionnelle et plus concertée aussi, et les œuvres caritatives un peu partout dans le monde. Je ne commence donc pas mon histoire par « Il était une fois », mais par notre slogan « Le futur passe par la santé des enfants ». C'est en effet un meilleur futur, avec des enfants en bonne santé, que nous voulons répondre via nos deux ASBL, le Belgian Kids Fund for Pediatric Research et Kids Care the Human Touch. Kids Fund for Pediatric Research veut réunir les moyens financiers, mais on parle de ça, c'est le nerf de la guerre, pour former de plus en plus de compétences, à la fois au niveau de la recherche et des conséquences de la recherche, l'amélioration de la clinique, l'amélioration des soins, l'amélioration de la prévention aussi, n'oublions pas ce point qui est absolument capital. Et alors d'autre part, ce qui a été fort bien rappelé, faire que la vie du patient, la vie du patient et de son enfant, de sa famille, de ses parents, soit la plus acceptable possible. Et j'ai été très touché par cette dimension accordée à la place du rêve. C'est vrai que si nous ne rêvons pas, il nous manque quelque chose de fondamental. Eh bien, la Fondation scientifique L'Hôpital des Enfants et d'autre part, la Fondation pour l'humanisation vise surtout à redonner aux enfants du bonheur. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils aient soudainement conscience du temps parce qu'ils sont malades et qu'ils perdent un peu de ce qui fait l'essence même de l'enfant, c'est-à-dire le rêve, on peut, grâce à la technique d'une part, et d'autre part, grâce aussi à l'humanisation des soins, c'est-à-dire au fait de les entourer avec toute la chaleur et l'amour, bien entendu, qu'ils méritent, et offrir à leurs parents la possibilité d'être à leur chevet dans les meilleures conditions, leur permettre de retrouver, au-delà de la maladie, le rêve qu'ils avaient perdu et que nous devons obligatoirement leur redonner par les soins et par la qualité aussi de l'affection que nous leur donnons. Thank you.